Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Anna Noudel. Je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse belge qui vit dans le sud-ouest de la France et je viens vous voir régulièrement ici sur YouTube pour vous parler de mes tricots. Donc voilà, ici je parle laine, tricot, teinture, filage aussi parce que je file un peu et il semblerait que j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Et depuis le début de cette année 2024, j'arrive à tenir mon engagement qui est de revenir systématiquement lorsque j'ai un tricot terminé pour vous le présenter et en profiter pour faire le point sur mes tricots en cours. Donc oui, vous l'aurez compris, je tricote plusieurs projets en même temps parce que j'éprouve le besoin de varier les plaisirs au cours de la journée, parce qu'il y a aussi des moments où je suis plus facilement concentrée que d'autres, et donc il y a des moments où je peux faire des choses un petit peu plus compliquées, et à d'autres moments j'ai simplement besoin que mes mains soient occupées et tricoter sans devoir réfléchir. Alors aujourd'hui on va donc parler de ce projet terminé. Il s'agit sans surprise de la paire de chaussettes que j'ai tricotée pour mon amie. Alors, j'ai tricoté cette paire de chaussettes avec une laine de chez Hobby dont j'ai perdu l'étiquette, qui est une laine auto-rayante, 75% laine, 25% polyamide. Voilà, bref. Sinon, les dessins se font tout seuls. Voilà, moi j'ai fait ma chaussette préférée, donc un montage en Turkish Caston, des augmentations. Je pense même que là, je les ai fait en KFB. Oui, c'est ça. Et franchement, KFB, c'est knit front and back. Donc, ça veut dire tricoter la même maille par le brin avant et par le brin arrière, ce qui vous fait une augmentation à chaque fois. Moi, je trouve que c'est la méthode la plus simple pour faire les augmentations. Et franchement, sur une boîte de chaussettes, je trouve que ça va très bien. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait des augmentations. Donc, mon Turkish Caston, 12 mailles. Après, j'ai fait des augmentations pour arriver à 30 mailles sur chaque aiguille. Donc, 60 mailles en tout. Un peu après la pointe, j'ai commencé à faire des côtes 2-2 sur la plante du pied. J'aime bien faire ça parce que ça resserre. Donc, quand on a un pied un peu étroit, ça permet à la chaussette de bien se fitter contre le pied. J'ai fait un talon en Fishlips Kiss Heel. J'adore. Et puis voilà, la tige. Et puis des côtes de deux pour terminer. Donc, c'est vraiment ma recette. Voilà. Et en général, je fais une tige côte comprise qui arrive à peu près à la longueur du pied. Voilà pour cette paire de chaussettes. Alors, forcément, comme j'ai fini une paire de chaussettes, eh bien j'en ai commencé une nouvelle. Alors, cette fois-ci, encore une pelote que j'avais reçue de la part de Valérie. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'un fil de chez Action. Alors, je vous montre l'étiquette. Voilà. Alison Emae. Donc là, vous voyez qu'il y a 75% de laine et 25% de polyamide. C'est une laine auto-rayante. J'ai tricoté une répétition, un peu plus d'une répétition complète de couleurs. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'aime énormément. Ce sont des chaussettes que je tricote pour mon fils. J'ai un fils qui adore le mauve et donc je pense que ça lui ira vraiment bien. Et les pointes, je les ai faites avec
ce contrastant qui, pour le coup, est un BFL que j'ai teint moi-même. Voilà, 100% BFL, Superwash. Je n'ai pas encore réussi à trouver du BFL non Superwash. Donc y a dans, là, il n'y a pas de polyamide. Voilà, donc même chose, hein. Exactement la même chose que pour la paire de chaussettes de mon ami, Turkish Caston 12 mailles, KFB jusqu'à arriver à 30 mailles sur chaque aiguille. Voilà, et puis des augmentations, des côtes 2-2 sur la plante du pied parce que mon fils a un pied extrêmement étroit. Voilà, voilà. Je tricote toujours mes chaussettes à deux, les deux en même temps sur un câble de 80 cm. Voilà, en Magic Loop, c'est pour moi la recette la plus agréable. Je vous prie de m'excuser pour les petits bruits que vous entendez derrière, mais ce sont les chiens, je suis seule avec eux, donc je ne peux pas tout empêcher. Voilà. J'espère cependant que ce ne sera pas trop gênant. Donc voilà cette paire de chaussettes que j'adore. Je prends énormément de plaisir à la tricoter. Le fil me fait très fort penser au fil de chez Regia, qui a la même composition. Il ne se dédouble pas du tout, donc il est agréable à tricoter. Il n'est pas du tout doux pour le moment. J'attendrai le premier lavage pour me faire une opinion voilà, quant à sa douceur. Donc, ça c'est la paire de chaussettes, toujours dans le magnifique pochon que Sylvia m'a fait l'année dernière. Je l'adore. Donc, ça c'est le côté chaussettes. Alors, je vous explique un petit peu mon organisation pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne. Donc, j'ai des tricots que je tricote du lundi au vendredi, et un tricot que je tricote le samedi, et un tricot que je tricote le dimanche. Bon, je me suis organisée de cette façon-là parce que je me suis aperçue que si je ne tricotais pas au moins une fois par semaine ma couverture de reste qui est là dans le coffre en osier, bien, elle n'avancerait jamais. Et donc, il y a des projets qui me tiennent moins à cœur ou... non, c'est pas ça. Ou qui sont moins urgents. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement vous dire pourquoi, mais il y a des projets que j'ai envie de monter, que j'ai envie de tricoter, mais que je ne ressens pas le besoin de tricoter tous les jours. Bah, ces projets-là, ce sont les projets que je tricote le week-end. Donc, pour le moment, il y a ma couverture de reste, je vous la montrerai tout à l'heure, ça fait longtemps que je ne l'ai plus sortie. Pour vous la montrer, je la sors tous les dimanches, mais voilà. Et j'avais les carrés afghans. Et voilà, j'ai fini les carrés afghans que je vous ai présentés dans le dernier épisode. Donc, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que je tricote maintenant le samedi. Mais dans mes tricots du lundi au vendredi, j'ai une paire de chaussettes, un châle et un pull, enfin un gilet en l'occurrence. Et je trouve que c'est le mix idéal. Voilà. Désolée pour les petits bruits. Alors, voilà le châle qui est en ce moment sur mes aiguilles. Et il est très long maintenant. Là, voilà, le milieu est là, et j'ai fait tout ça. Donc, si je le plie en deux, voilà où j'en suis, voilà ce qui me reste à tricoter. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un jersey double face. Voilà, il s'agit du châle céleste de Laine Amourée que je tricote d'un côté gris à un côté rose. La laine rose, je l'ai reçue de mon amie Malika dans le cadre d'un swap de teinture que nous avons fait l'année dernière. Voilà, et celle-ci, c'est de la Malabrigo Soc que j'ai acheté à la roulotte aux pelotes.
Voilà ce où j'en suis dans mes deux pelotes. Il y aurait un reste. Et en fait, je l'ai calculé exprès parce que ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre un petit reste de chacune de ces couleurs dans ma couverture pour garder un souvenir de ce tricot dans ma couverture. Est-ce que j'ai les étiquettes? Bien sûr que non. Elles sont dans mon cahier, je m'en souviens. Je me souviens que la fois dernière, je vais chercher longuement après. Donc, où sont ces étiquettes? Tac, tac, les voilà. Voilà, bah c'est surtout l'étiquette de la Malabrigo Sock que je vais vous montrer. Peut-être que si je vous la montre. Non, c'est juste, elle est à l'endroit. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc ces deux-là, 100% superwash merino, la grise, et l'autre, la laine qui a été teinte par Malika, c'est 75% merino, 25% soie. Et donc voilà, je l'aime énormément. Donc j'ai moi changé complètement le rythme des augmentations et des diminutions dans le patron, parce que le patron est conçu pour faire vraiment un grand triangle rectangle, et moi je n'aime pas du tout ces châles-là, donc j'avais très envie de le réaliser parce que je voulais découvrir la technique utilisée, et que j'aime énormément cette idée d'avoir un châle, une face d'une couleur, une face d'une autre. Donc, donc voilà, je l'ai fait, mais je lui donne la forme que moi je souhaite avoir. Et donc, c'est un peu la forme d'un Sophie Scholl, je pense. Voilà. Voilà. Donc, je noterai sur ma fiche Ravelry, le rythme des augmentations que j'ai choisi d'utiliser. Voilà. Néanmoins, je vous invite vraiment à découvrir ce patron parce que, oui, parce que je ne vous ai pas montré, mais en fait, il est fait de telle façon qu'on a, ça se voit mieux de ce côté-là, on a un bord gris sur le côté rose et un bord rose sur le côté gris. Voilà. Les bordures sont très jolies. Bon ben voilà, j'aime énormément. Hein, je n'arrête pas de le dire depuis que je l'ai commencé. Donc ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est sur mes aiguilles. Là maintenant, je me réjouis vraiment qu'il soit terminé depuis le 19 février. Oui, donc ça fait un peu plus d'un mois. Là maintenant, c'est vrai, je commence à me réjouir de passer au suivant parce que c'est un très beau projet dont je vais vous reparler. Mais j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un tricot très méditatif, hyper répétitif. On fait tout le temps la même chose. Mais personnellement, le côté répétitif en tricot ne me dérange pas du tout. Je pense que pour moi, le tricot est une méditation. Donc, j'apprécie. Voilà pour ce qui est de ce petit châle céleste. Alors, j'ai sur mes aiguilles, depuis le mois de janvier, un très gros projet qui est le cardigan ou le gilet Trinigan de Andrea Mori. Alors il est immense. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'arrivais au moment où il allait falloir accrocher et faire un rabat à trois aiguilles sur l'épaule. Donc c'est une couture visible. Comment est-ce que je vais vous la montrer? Voilà. Ça donne de la structure au gilet. Bon, évidemment, j'ai commencé une manche. Je vais quand même l'enfiler pour que vous ayez une petite idée de comment ça va tomber. Voilà. Donc, voilà la manche. Je crois que je dois encore faire à peu près 5 cm avant d'attaquer les côtes. Donc en fait, il est là et puis il y a une grande bande de côte, hein, parce que c'est une... Voilà. Dans le bas, on a une très grande bordure. Je vous disais,
Dans le bas, on a une très grande bordure. Ici, au bas des manches, on va aussi avoir une très grande bordure. Et puis, il faudra faire l'autre manche. Et puis, il faudra venir relever toutes les mailles tout autour et faire aussi une très très large bordure en côte pour finir ce gilet. Alors, non bloqué comme ça, il m'arrive presque, pas tout à fait en dessous des fesses. Bon, voilà, je l'enlève parce que j'allais m'emmêler dedans. Je l'aime beaucoup. J'aime les fils. J'aime le point. Voilà, je crois que ce sera un très gros gilet doudou, très moelleux et je l'espère agréable à porter. Bon, j'en profiterai seulement à l'automne prochain. J'espère qu'il ne va plus me falloir trop longtemps pour arriver au bout, parce que j'ai un projet commun avec Sylvia qui devrait normalement démarrer le 1er mai. Donc, je voudrais vraiment bien avoir terminé le Trinigan pour le 1er mai, mais je voudrais bien aussi finir le Céleste. Donc, voilà, ça se précipite un petit peu. Il y a un petit peu de... J'ai mes pieds qui sont pris dans la laine. Il y a un petit peu d'excitation comme ça et de pression un petit peu qui monte. Voilà, je vais essayer de calmer le jeu pour finir ça en douceur. D'autant qu'à mon avis, la bordure promet d'être assez longuette à tricoter. Donc, bon, voilà. Il faut que je m'accroche et c'est vrai que c'est rare qu'un tricot me dure aussi longtemps. Et il y a peut-être un petit peu de lassitude qui s'installe tout doucement. Voilà pour ce qui est de mes trois tricots que je tricote du lundi au vendredi, un petit peu chacun tous les jours. Le samedi maintenant, j'ai décidé de monter le Honey Bucket Bag de petite Knit. Et la semaine dernière, j'ai fait le fond. Alors, je le tricote avec quoi? Je le tricote avec des laines une laine de chez Hobby et une laine de chez Action. J'ai oublié de vous dire que tout ce dont je vous parle se retrouve dans l'espace de description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc, si vous cherchez des liens, etc., je vous renvoie vers mes fiches Ravelry où vous avez les détails des fils, etc. Donc, je vous disais que je tricote avec deux fils. Voilà, donc ça, c'est le fond du sac. Donc, je tricote avec de la celle-ci, wool yarn de chez Action, Alison et Maë, et de la Diablo de Hobby. Voilà, donc là, Alison et Maë, c'est de la pure wool yarn, donc c'est de la 100% laine, 250 mètres au 100 grammes, et le Diablo de Hobby, c'est 40% acrylique, 30% mohair, 30% polyamide, et là, on a... Deux cent vingt-cinq mètres, et ce sont des pelotes de 50 grammes à mon avis. Je ne vois pas ce qu'on a. Non, 25 grammes. 25 grammes, 225 mètres. Donc c'est une lace. Je mixe les deux. Voilà, donc je vous montre. Ça, ce sont les deux fils. Et voilà le rendu. Voilà. Et donc, celle-ci, c'est une teinture en bain d'épuisement. Voilà. Et puis, ça, c'est la couleur 12, je crois. 12, oui. Couleur numéro 12 de la Diablo chez Hobby. Donc, le Honey Bucket Bag de Petite Knit. Je vais commencer le point nid d'abeille ce samedi et on verra bien. Alors, dans le patron, Petite Knit recommande de tricoter en 2,5.
J'ai essayé. J'ai fait tout ceci en 2,5 la semaine dernière. Ça m'a fait horriblement mal aux mains parce que c'est très... la laine est quand même assez épaisse. Les deux ensemble, ça fait quand même déjà un tissu... voilà, assez... Enfin oui, certaine épaisseur de fil. Et en 2,5, moi, je trouve ça beaucoup trop serré. Ça me faisait vraiment mal. Donc j'ai tout défait et je l'ai recommencé en 3,5. Et là, ça va. Parce que voilà, ce n'est que le début ceci, hein. Il faut quand même encore après tricoter 18 cm en nid d'abeille. Et comme c'est un point brioche, bah, ça ne va pas aller très vite. Donc je ne voulais pas me faire mal aux mains. Voilà. Donc bah, celui-là, vous le verrez grandir au fil des épisodes. Et voilà, je suis très 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 contente de m'être lancée parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Je me demande si je n'ai pas assez de fil parce que j'ai deux pelotes comme ça et quatre comme ça pour faire deux Honey Bucket Bag. C'est possible, on verra. Voilà. Toujours est-il que je suis très contente de l'avoir commencé. Donc voilà, ça c'est mon tricot du samedi et mon tricot du dimanche, eh bien, il est là. C'est ma Cozy Memory Blanquette version Malika. Je vous explique. Donc, la Cozy Memory Blanquette, c'est une couverture qui est conçue pour tricoter les restes. Et on fait un petit carré à la fois. Voilà, donc vous tricotez un carré. Je vais vous la montrer à l'endroit. Vous tricotez un carré et puis vous venez accrocher le carré suivant et ainsi de suite. Voilà. C'est une technique, voilà, bien connue. Qu'est-ce que c'est la version Malika? Eh bien, en fait, Malika, mon amie, Malika, celle qui m'a offert le très bel écheveau rose avec lequel je fais Céleste. Elle a fait sa Cozy Memory Blanquette. Attendez, 2 petites secondes. Ouf, je dois avoir du mohair ou je ne sais pas quoi. Ça me chatouille. Ouais, ça va aller mieux. Elle a fait une Cozy Memory Blanquette en faisant quelques rangs de blanc. Systématiquement pour commencer ses carrés et je trouve ça trop beau. Donc je lui ai piqué l'idée, voilà. Je lui ai piqué l'idée et donc moi je me suis lancée dans une couverture pour un grand lit de 2 personnes. Voilà. Et donc j'ai, je crois que c'est 22 ou 23 carrés et j'ai fait des lignes. Voilà. Donc j'en ai 5 qui sont terminées, presque 6, il me manque un carré pour finir la sixième. Mais dimanche dernier, j'étais trop fatiguée, il était vraiment tard et donc je suis allée me coucher. J'avais prévu de vous la montrer avec 6 rangées, mais bon voilà. Tant pis, vous voyez que elle est presque finie. Donc moi j'ai décidé de faire une forme de dégradé de couleurs. Voilà, donc on part du rose et on revient au rose. J'ai décidé que, parce que je n'aurai jamais assez de reste pour faire une aussi grande couverture, rien qu'en reste, donc j'ai choisi une base. Et la base que j'ai choisie, ce sont les laines Nord de Drops, parce que j'aime beaucoup, parce que c'est de l'alpaga et que c'est très chaud. Et je la double. Donc, c'est 2 fils de nord tenus ensemble. Ça, c'est pour les lignes unies. Donc, je fais une alternance. Attendez, voilà, comme ça. Je fais une alternance de lignes unies et de lignes mélangées. Donc, ici, vous avez 2 fils de nord écru. Et là, un fil de nord rose et un reste de fingering dans les tons roses. Et là, et toute la rangée va être comme ça. Toute la rangée, toute la colonne sera
deux fils de nord écru et puis un fil de nord de couleur avec un reste de fingering assorti. Et puis la colonne suivante, c'est que de la nord. Donc c'est deux fils de nord écru, deux fils de nord rose. Et puis le carré suivant, c'est deux fils de nord écru, deux fils de nord gris. Et puis le suivant, c'est deux fils, etc. Voilà. Et la colonne suivante, eh bien, c'est j'intègre un reste de laine. Voilà. Voilà. Avec. Voilà. Comme ça. Et donc ici, je suis en train de terminer une colonne tout en or. Donc, ce dimanche, je vais faire mon dernier carré et puis je vais recommencer une nouvelle série. Et là, je vais de nouveau intégrer comme ici un reste de fingering avec ma laine nord. Voilà. Bon, j'en ai évidemment pour un long moment, à mon avis quelques années. Quand tout va bien le dimanche, que je n'ai rien à faire d'autre que tricoter. J'arrive donc le plus que j'arrive à en faire, c'est 6 sur ma journée. Et une colonne, je crois que c'est 22. Je compte. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Non, c'est 21. Parce que le 11e est plié en deux. Donc c'est 21. 21 carrés. Donc ça veut dire qu'il me faut plus de 3 semaines. Allez, on va dire 4 semaines pour faire une colonne. Donc ça fait une colonne par mois. Et si j'ai 21 carrés dans un sens, je crois que je dois en faire 20 dans l'autre. Donc à raison d'une colonne par mois, là je suis en train de finir, pardon, la sixième, il m'en reste 14, donc ça fait un peu plus d'un an encore. Et je ne suis pas du tout sûre que je tricoterai ça l'été. Donc voilà, on va voir. On va voir. Peut-être qu'à certains moments, je la ferai le samedi et le dimanche si j'ai envie qu'elle avance plus vite. Voilà, mais je suis contente de vous l'avoir remontrée parce que ça stimule en fait de vous montrer les tricots. Donc je la range avant de vous parler de mes prochains projets. Alors, le prochain projet qui va monter sur mes aiguilles, eh bien, ce sera le projet que j'ai prévu de faire avec ces trois magnifiques écheveaux. Voilà. Il s'agit d'un châle de Lisa Hannes, dont Paul Valpolicello a parlé dans son dernier, je crois que c'était son dernier podcast. En tout cas, moi, je n'en ai plus vu depuis. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir son podcast, je mettrai le lien. Comme ça, vous verrez si vous avez la curiosité, sa version. Parce qu'en fait, c'est sa version qui m'a vraiment donné envie de le faire. Je la trouve beaucoup plus belle que celle de Lisa Hannes. Et donc voilà. Alors, Célène, c'est quoi? Célène, c'est de la Life in the Long Grass que j'ai reçue de mon amie Ariane l'année dernière. C'est de l'atelier Balibou que j'ai reçu de Valérie en 2022. Tu vois, Valérie, il ne faut pas désespérer, hein, je les tricoterai toutes, toutes. Mais tu m'avais tellement gâtée que voilà, il faut un peu de temps. Elle va particulièrement bien avec ma robe, hein, celle-là. Voilà, aujourd'hui j'ai mis ma robe. Celle qui me fait le plus penser au printemps, c'est une robe Isia de l'usine à bulles. C'est ma robe en jersey. Voilà. Je l'adore. Et le dernier écheveau, c'est un Felici Punto que j'ai acheté chez Sip and Knit, j'y arriverai, à Bruxelles quand j'y suis allée en janvier avec Cécile. Voilà. Et donc, je vais les mettre tous les trois dans ce très beau châle de Lisa Hannes, dont je n'arrive pas à retenir le nom. Donc, je vous l'aurai écrit là et vous le trouverez aussi en barre d'infos. Donc, j'ai préparé les écheveaux parce qu'il va falloir que je les bobine.
Voilà, mais bon, il n'y a pas le feu au lac. J'en ai peut-être quand même encore pour une petite semaine, hein, sur mon céleste. Après, il faudra que je le bloque, etc. Donc, je reviendrai vous voir, bien sûr, mais j'attendrai qu'il soit lavé, bloqué, pour que vous puissiez vraiment voir la pièce terminée. Bien, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je ne vais pas remonter de grosses pièces tout de suite, puisque je vais attendre d'avoir fini celui-ci, le Trinigan, pour monter le top d'été qu'on a prévu de faire au mois de mai. Mais je ne vous en dis pas plus maintenant, je vous en parlerai la prochaine fois que je viens. Voilà, parce qu'il faut savoir distiller les plaisirs. Voilà. Alors, côté lecture, eh bien, côté lecture, je crois que j'en ai fait rire pas mal d'entre vous avec mes histoires des femmes oubliées, etc. Qu'est-ce que je lis pour le moment? Oui, pour le moment, je lis toujours Anne d'Ingleside. J'arrive tout doucement au bout, mais pour le moment, je suis très fatiguée, donc dès que je suis... je lis 2 pages et puis je m'endors, donc voilà. Pas beaucoup de lecture à ce niveau-là. Et à l'écoute, eh bien, comme j'ai fait... je viens tout juste de terminer le calendrier de... la teinture du calendrier de l'Avent de Sylvia. Eh bien, j'ai écouté le tome 5 de Harry Potter, L'Ordre du Phénix, parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Bon, voilà. Je vous mets une photo en noir et blanc des écheveaux que j'ai teints pour Sylvia. Et voilà, je vous prépare une vidéo. Voilà, une vidéo dans laquelle j'aborderai principalement comment mon cheminement, donc le processus entre le moment où, enfin oui, entre le mood board que Sylvia m'a envoyé et la teinture des écheveaux, comment je m'y suis prise pour orchestrer tout ça. Je vous montrerai aussi dans cette vidéo mon matériel. Et puis peut-être aussi un petit peu comment je fais les mélanges, etc. Mais cette vidéo, eh bien, il faudra que vous attendiez la fin de l'année pour la voir, puisque bien sûr, je ne vais pas dévoiler les... À moins que je n'arrive à faire la vidéo sans montrer les couleurs. Ah, ça c'est possible que j'arrive à faire ça. Et si c'est le... Non, 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 parce que de toute façon, je vous le montrerai après, parce que de toute façon, dans le processus créatif, j'ai pas envie de raconter tout ça à Sylvia maintenant. Donc voilà, de toute façon, vous devrez attendre. Bon, ben voilà, j'espère que le suspense va vous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'année. Voilà, bon bah écoutez, c'est le printemps, il fait magnifique, j'ai hâte d'aller tricoter dans la balancelle au jardin. J'espère que vous pouvez vous aussi vous offrir de belles heures de tricot, c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très 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 fort et je reviens probablement quand Céleste sera terminée. Voilà, portez-vous bien, bon printemps, à bientôt, ciao!